Donc voilà la vedette de notre week-end. Hein, la vedette de notre week-end, c'est Léo. Léo et son chien écolo. Puisque Léo est lauréat du prix Un chien dans ma vie. C'est un prix qui récompense la mise en exergue du travail merveilleux du chien d'assistance. Du chien d'assistance ou d'ailleurs d'un autre type de chien, mais qui a changé la vie de son propriétaire. Et Écolo a vraiment changé la vie de Léo, mais d'un autre côté, Léo, lui, il met en avant le travail de son chien. Donc c'est vraiment un échange. Donc on va peut-être demander à Isabelle, qui est donc la maman de Léo, de bien vouloir nous expliquer ce qui s'est passé dans la vie de Léo depuis qu'il a Écolo. Alors Léo, il a eu son chien il y a un peu plus de 2 ans. Et avant d'avoir son chien, Léo ne dormait pas. Il mangeait que du biberon. Il avait des couches. Il faisait d'énormes crises d'angoisse dès qu'il y avait du monde. Et du jour où il a eu son chien, il a décrété que c'était un grand, puisque maintenant il est responsable de son chien. Il s'en occupe très très bien. Alors il fait plus de cauchemars parce que son chien dort dans son lit, c'est très pratique pour moi. Il mange normalement, on peut même aller au restaurant maintenant, chose qu'on n'avait jamais fait avant. Ah oui, voilà. Ça c'est formidable. Hein. C'est vraiment très bien, on peut voyager. Oui. La preuve. La preuve, on est venu jusqu'ici, fait la route. Voilà. Et son chien a une particularité, quand Léo fait une crise d'épilepsie, son chien vient me réveiller, il arrive à calmer Léo. Et du coup, on ne va plus à l'hôpital. Ça nous a évité beaucoup de séjours cette année à l'hôpital et l'année dernière aussi. Donc c'est un peu un chien médicament qui vient partout avec lui, à l'école, à l'hôpital. À l'école aussi ? À l'école, oui, il va à l'école avec son chien. Là, en ce moment, il est en rééducation à l'hôpital. Il va aussi en rééducation avec son chien. Donc c'est la mascotte de l'hôpital. Mais ce qui a changé aussi, c'est que comme on a un chien sportif, on a été obligé de devenir sportif pour faire plaisir au chien. Donc on fait des marathons, des courses en joëlette, du vélo fauteuil. Ah oui ! Tout ça pour faire plaisir au chien, parce que le but c'est que le chien travaille, mais on lui fait plaisir aussi. Bah écoutez, merci beaucoup. De rien. Est-ce que tu veux ajouter un mot, Léo ? Tu veux dire quelque chose ? C'est vraiment formidable. Bah voilà, c'était le mot de la fin hein, de Léo pour expliquer tout ce qu'a apporté son chien dans sa vie. Ah non, voilà, merci beaucoup Léo. C'est pas le mot de la fin. Ah bon, d'accord, c'est pas le mot de la fin. Le chien, il m'a changé la vie, je fais plus de cauchemars. C'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable.